Plusieurs pêcheurs de truites ayant vu des émissions américaines se demandent s'ils ont besoin d'un équipement de lancer lourd pour leur type de pêche. Je compare généralement le lancer léger à l'équivalent d'un véhicule automatique, alors que le lancer lourd, c'est un véhicule manuel. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous voulez effectuer un lancer avec un lancer lourd, il faut appuyer sur la bobine avec le pouce pour freiner le fil, faire le mouvement de la canne et lâcher le fil au bon moment pour commencer à propulser le leurre, suivre le leurre du bout de la canne et avant que celui-ci ne touche à la surface de l'eau, c'est primordial d'aller freiner à nouveau la bobine de fil parce qu'elle continuera de dérouler, vous créant une perruque absolument mémorable. Le type de leurre qu'on utilise à la truite mouchetée, qui sont plus légers, plus petits, c'est difficile à lancer avec un lancer lourd. Par contre, pour ceux qui sont amateurs de pêche à la traîne avec des leurres volumineux, la rigidité de la canne va vous servir très, très bien. Et le jour où vous aurez appris à lancer correctement avec ce type d'équipement-là, vous gagnerez un contrôle total sur la course de votre leurre, par exemple en le freinant en plein dans les airs juste avant qu'il tombe dans l'herbier que vous visiez, et donc il tombera à la limite de l'herbier, là où le prédateur va aller se nourrir. Je vous invite à nous faire parvenir vos questions à pêche.latulipe@commercial.gmail.com et je vous souhaite une excellente pêche avec ça.